Continue. On est en train de faire la refaire la coiffure de Pamela Fomen. Bon, bon, non, j'ai tout vu, Non. Oui, j'ai tout vu. Mais bon, bon, il est en train de refaire votre coiffure. Il était là comme ça là. C'est mon dernier marché. Si c'est on l'a dit. Charles Abel, on l'a dit. Ou bien on dit à Bob ou bien on attend encore. Que quoi? On dit encore. Et si sont là, parce que franchement, ce qui se passait dans cette concession en votre absence, mon Bok. C'est mon dernier match. Je ne voulais pas que je vous invite à boire le vin. Plusieurs fois, on a confondu des gens qui sortaient pensant que c'était vous. Hein. Oui. Ok. On a confondu. En pensant que c'était vous. Mais c'était pas vous. C'était pas vous. Vous savez au moins qu'on descend plus à la salle des fêtes. On a changé d'emplacement. On a décalé. D'abord, la première information. Là, on commence par le plus doux, hein, pour que vous ayez le temps de digérer. Non, il faut dire aux Camerounais que le projet Pipe, c'est de l'eau. La ligne DN250 qu'on était censé déplacer. On dit qu'on l'a déplacé entre mai et juin de l'année dernière. Mais on n'a jamais remis à son nouvel emplacement. Pourquoi? Ce n'est que l'un des 7 points qui bloque la mise en place du projet Paipis. Et du coup, les gars se rendent compte qu'il leur faut encore l'argent. Il faut. Non, il faut l'argent. Pourtant, il y avait déjà un argent pour ça. Mais il y a un argent qu'on a enterré dans vos péages automatiques là, qu'on a encore refermé. Non, là-bas, j'ai expliqué que le partenariat public-privé n'a pas respecté certaines clauses. Vous savez au moins que Tolkam est sur le point de porter plainte à l'État du Cameroun. Nous plainte. Nous sommes champions. Tous les instants, nous sommes champions. Nous avons des plaintes. Nous avons des plaintes à l'international. Et vous avez des avocatiers remplis d'avocats pour vous défendre. On laisse les gens bavarder. Ils bavardent. En son nom, dit, tu veux combien? Ça ajoute la dette. Vous comprenez, payer les dettes. Donc, nous, on est habitué à ça. Ça n'a jamais empêché un État ou un système de fonctionner les dettes. Donc, vraiment, laissez-nous. Combien d'entraîneurs ont porté plainte au Cameroun? Ça empêche le recrutement. On est habitué à ça. C'est la raison pour laquelle, justement, on s'arrange maintenant à traiter avec ce qu'on connaît. Dès le démarrage du business, il y a compromission. Donc si à la fin on te dit Fulka, tu fais comme tous ceux qu'on a enlevé du gouvernement. Vous avez vu qu'un ministre se plaint dès qu'il a fait le travail. Vraiment, j'ai travaillé. Je suis contre le chef d'État, il ne veut pas m'enlever. Quand un gars dit qu'à partir de 15, monsieur Théo, en fonction à ceci, vous êtes désormais, il descend. Il dit que le chef de l'État sont excellents. C'est le mieux qu'on puisse lui offrir. Parce que pire, ce serait la prison. Voilà, vous vous rendez donc compte que nous sommes ce seul pays où les gens, la notion de démission n'existe pas. Ah non. Regardez, c'est celui qui m'a mis la à côté de vous. Pour une histoire, on dit qu'il a une sextape. C'était au Nigeria, je pense bien qu'elle est dans un pays au Nigeria. Pour une histoire d'une vidéo, bizarre, le ministre a présenté sa démission. Vous n'avez pas vu le dernier ministre de l'économie sous Angela Merkel en Allemagne? Il y a eu des soupçons d'un diplôme dont il n'avait pas eu la mention qui a été écrite dessus. Avant même que l'affaire n'arrive au tribunal, il a démissionné. Pourquoi chez nous la démission? Et puis, vous avez même déjà vu la route. Vous êtes passé par le péage automatique de Manga. Vous avez vu la route qui mène au péage automatique de Manga. Avant ça passait dans les trois voies. Ils ont fermé, ils ont créé une sorte de pointe. Petite pointe là comme ça. Madame, si vous tournez là, vous remontez. C'est là où on tombe en panne. C'est là où on gagne. Il y a une gare routière qui s'est créée à la sortie du péage. Il y a une gare routière qui s'est créée. Là, on charge, c'est un. Gare routière improvisée. Non, c'est pas improvisé. Vous pensez qu'il ne paye pas. L'endroit doit vivre. Non. Il faut que l'endroit vive, que ça commence à attirer les gens et tout et comme ça. En étant de l'autre côté, on dit, tu veux faire le magasin, vendre les beignets ou la bière. On regarde, là-bas. La bière ne peut pas manquer. Il faut bien le passage obligé. Oui, passage obligé. Il faut qu'on coupe la bière là-bas pour que vous créez vos différents.
on avait prévu quelque chose, mais vous allez créer suivant le plan que nous on va vous donner. Mmh. Parce que c'est un plan. Il faudrait qu'à la fin, on a l'impression que c'est nous qui avons mis l'argent pour la construction, alors que c'est vous. C'est très simple. Partir d'un bureau, il ne faut pas vous plaindre. Ce pays va avancer. Voilà. Hein. Ce pays avance. Avec ou sans vous, avec le pays va avancer. Le pays va avancer. Ça va avancer. Comme nous, en tout cas. Pardon? Oui. Bientôt, vous serez comme nous. C'est la raison pour laquelle on a sécurisé en mettant des grillages. Je ne sais pas si la vitesse là-bas est très forte, mais on a quand même mis des grillages. Pour empêcher quoi? Les grillages, là, c'est pour empêcher quoi? Je ne sais pas. Les criquets? Vous savez, il y a, exemple, grillage, savez, y a la criquets. Forêt de l'autre côté. Un animal peut déjà traverser là-bas. Traverser. Ou c'est pour contenir les vendeurs de... Congo-mille. Glacé. Congo-mille. Pour qu'ils ne soient plus là. Ouais. On a des gens qui sont des génies. Ils réfléchissent, les gars sont forts. Et voilà, spécialité, c'est une curiosité planétaire. On n'a pas d'eau. Après, on nous dit qu'on va déplacer les tuyaux, qu'on a déplacé les tuyaux, mais on n'a pas remis au nouvel emplacement. Donc, il faut l'argent pour remettre au nouvel emplacement, comme s'il n'y avait pas l'argent pour faire ça. N'oubliez pas, il y a les câbles chinois qui passent. Je vous ai déjà expliqué, il y a des câbles, les chinois ça, là, sont plus vous expliquez, plus ça me donne mal à la tête, vraiment. Ah, d'accord. Plus vous expliquez, plus ça me donne mal à la tête, d'accord. Mais vous savez, que la majeure partie des routes qui sont endommagées par le principe du fait que les gars, en faisant la pose des tuyauteries d'eau, on a choisi un seul côté en négligeant l'autre. Maintenant, pour faire des raccordements, il faut traverser la route. Chalamel, s'il vous plaît. Pardon, Pamela Fomen. Passons à une nouvelle formule. Ah non, à une nouvelle formule. La revue des réseaux sociaux. Il ne faudrait pas que les téléspectateurs pensent que vraiment, il s'agit du formol. Bon, on va du côté de Bafoussam pour parler de l'utilisation du formol sur les avocats. Vous avez certainement vu la vidéo tourné dans les forats. On rappelle que le délégué régional de l'agriculture et du développement rural de l'Ouest a démenti cette information dans une vidéo. Il apporte des précisions concernant cette affaire. Contrairement à ce qui s'est dit sur la toile, les deux femmes étaient accusées d'avoir utilisé du formol sur ses avocats. Que non, il s'agit de la terre mélangée à de l'eau qui est une pratique traditionnelle pour conserver les avocats dans une vidéo, puisque Denis Laroy, qui est le délégué régional de l'agriculture et du développement rural de l'Ouest, qui est descendu sur le terrain pour s'enquérir de la situation et a rassuré les populations de cette partie du pays qu'il ne s'agit pas du formol, bien au contraire, il s'agit de la terre mélangée à de l'eau qu'on frotte, qu'on oint sur les avocats pour justement le conserver si la régie permet. On écoute l'extrait du délégué régional de l'agriculture et du développement rural de l'Ouest Cameroun. Cher patron du groupe Minagri Info, nous voici comme ça assis dans mon bureau à la délégation régionale d'agriculture et développement rural du littoral. De l'Ouest. Je m'excuse, vous savez, je suis du littoral et vraiment, je suis un peu stressé. Je suis comme ça assis à mon bureau avec la terre mélangée à la cendre et le liquide que je vais récupérer sur le terrain pour démontrer aux gens que vraiment il faut que les gens fassent beaucoup attention, il ne faut pas qu'on alarme le public. J'ai récupéré cela, je pense que je vais l'envoyer au laboratoire à Yaoundé. Mais quand vous voyez ça directement et quand vous humez l'odeur, en réalité, ça y est, pas du formol. Vraiment, il s'agit de la terre mélangée avec la cendre où il ajoute un peu de l'eau. Ou embaumer sur l'avocat, voilà ça, c'est pas mon boulot. Je sors comme ça sur le terrain à Maison Vache, j'ai récupéré ça à deux différentes femmes. Mm-hmm. Cette boîte a été occupée à une vendeuse et la deuxième à une autre. Et c'est cette bouteille que j'ai récupérée, l'eau était presque à ce niveau, et ils ont bu presque la moitié. Donc vraiment, je pense pas que ce soit du formol. Voilà. Mais néanmoins, pour être prudent, je pense que je vais envoyer cet échantillon à Yaoundé pour que ça fasse l'objet d'une analyse. Donc vraiment éviter que... Bon, pour ceux qui sont du côté de Bafoussam, ceux qui ont mangé ces avocats, vraiment, je crois que... Il n'y a pas à s'inquiéter. Il a rassuré d'ailleurs les habitants de cette partie du pays, vraiment. C'est pas l'avocat formalisé, si vous voulez. Oui, il n'y a absolument rien. Les Camerounais ont trop peur, monsieur Guy. Avec raison, en même temps. C'est parce que toutes les délégations et les différentes inspections ne travaillent pas à sécuriser la foi et le cœur
des consommateurs. On a eu l'affaire de viande. Vous n'avez jamais vu une descente des différentes inspections des brigades sur le terrain pour vous rassurer que la qualité de porc tué est de meilleure qualité, la qualité de viande, la viande et pardon, les bœufs tués et exposés sont. Vous arrivez parfois à un endroit, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de mouche, vous posez la question, c'est à peine si on ne peut vous chasser. Monsieur Nding, de manière élémentaire, l'avocat ne mûrit jamais en haut. Parlons comme au quartier terre-à-terre. L'avocat ne mûrit jamais en haut. L'avocat, lorsqu'il atteint son degré de maturation, tombe. Une femme qui utilise le formol sur tous les avocats, là, c'est pour tourner avec... c'est pour faire quoi? C'est pour faire l'huile d'avocat? Pour faire mûrir tout ça, c'est pour faire l'huile d'avocat? Elle va pouvoir vendre ça. Si, je ne sais pas comment les Africains, les Camerounais réfléchissent. Parce que ça fait mûrir rapidement. Ça fait mûrir rapidement. Elle va vendre tout ça. Épuiser son stock en un jour. Elle épuiser tout ce stock si en un jour. Première question. L'avocat, lorsqu'il atteint le stade de prématuration, tombe. C'est pas même le seul qui continue. À l'époque et dans la tradition, on enfouissait l'avocat dans la sang, on mélangeait avec la tansane et on arrosait pour éviter que tous les avocats ne mûrissent d'un coup. Voilà pourquoi ils ont conservé le procédé de la cendre mélangée à de la terre. Vous voyez, elle envoie, elle prend la cendre, elle met dans la main, elle prend la terre, elle met dans la main, elle prend un peu d'eau. C'est cette eau que les gens disent, c'est le formol. Voilà le formol que ces femmes utilisent. Vous ne pouvez pas utiliser le formol en main nue comme ça là. Avec les mains. Vous ne pouvez pas utiliser le formol avec les mains comme les femmes là. Mon Dieu, le formol avec les mains, même dans les différents sens, on utilise des gants pour pouvoir utiliser le formol. Ça, mais je suis quand même surpris. Non, vraiment. Ces mamans sont en train de procéder à la protection en mettant cela. C'est pour retarder. C'est pour conserver et retarder afin de pouvoir commercialiser ce produit. Vous avez, c'est différent des femmes qui font bouillir avec le kangwa. Oui. C'est différent des femmes qui font bouillir ça avec le kangwa. Parce que les femmes qui font bouillir ça avec le kangwa, c'est ça qui accélère. Et vous avez des spécialistes, excusez-moi l'expression, qui font mûrir avec leurs doigts. L'avocat, si c'est combien? Il envoie les 16 juin. Il attrape, il presse l'avocat. Mais vous l'avez les gens qui veulent acheter l'avocat, ils ont les 16 juin. Il appuie l'avocat et puis vous avez la vendeuse à côté qui dit non, on n'appuie pas. N'appuie pas l'avocat comme ça, n'appuie pas l'avocat. D'autres préparent même. Ne sais pas le cas. Vous avec le sel gemme. Vous savez, le sel gemme ramollit. Ça ramollit les aliments. Donc vraiment, tous ceux qui ont mis les mamans des gens dehors là, pardon, les blessés les mamans là. Revenez à l'école traditionnelle et bantou, qu'on vous apprenne comment on conserve les fruits, même les bananes. Les gens ne savent pas comment on conserve les bananes. Les gens vont croire qu'on va voir le sac Moukouta là. On jette le sac Moukouta sur les bananes. Non, même sur les doigts. Quand vous passez là-bas, à la montée, là, vous voyez, ils ont les recouverts avec les sacs Moukouta. Oui, la particularité de ce sac, c'est que ça repousse la chaleur et ça évite que les bananes. Apprenez ces choses. Les blancs vous ont déservelé cervelé le cerveau. Non, apprenez ces choses. Monsieur, apprenez ces choses. Balle sur vous, Dominique Audrey, maintenant. Une balle sur Dominique Audrey. Pourquoi? Que les blancs. Les blancs nous ont rendus. On nous a éloignés de nos choses. D'accord. Dingue, c'est comme vous allez voir quelqu'un, il pleut, le gars prend la banane cochon. Il utilise une large feuille de banane cochon et se balade avec. C'est mieux que vos parapluies. C'est mieux que vos parapluies. Vous savez ça qu'on allait à l'école. Les petits enfants, qu'est-ce qu'on faisait quand on était tout petit? On prenait la large feuille de macabo. On retournait sur la tête et on attachait avec une corde. Quand il pleuvait, ça tape, ça tombe de ça. Donc, vous allez voir ça, vous allez commencer à dire non. Ces mamans, vraiment, arrêtez de les afficher, c'est en train de tourner dans le monde entier. Certains qui les reconnaissent même en disant que je connais la mère ici. La mère ici, c'est celui qu'elle a tué. Elle a tué les avocats. C'est celui qu'elle a tué. Non, franchement. Facebook est le seul milieu où un ignorant peut insulter un prix Nobel. ça fait rire Carlos, mais justement ça a été très prompt de la part du délégué de la région de l'Ouest d'être sorti et d'avoir rétabli les faits. Je crois savoir que ces éléments ont été envoyés à Yaoundé pour analyse, ce que les gens appelaient formol. Donc ne vous en faites pas, c'est pas du formol, c'est de l'eau. Moi j'aime bien l'avocat. Et c'est la saison, hein. Ouais. L'avocat, c'est quelque chose. Je fais l'avocat sous ses formes.
Pardon? C'est la saison. Des avocats. Toutes ces formes. Oui, généralement, je fais ça avec les mangues. Je fais ça avec les pommes de terre frites fines. Là. La purée. Oui, j'écrase la purée. Parce que ce que vous découpez là, c'est pas, là, c'est pas la purée. C'est du, ça, c'est, au Mexique, ça s'appelle guacamole. Mais c'est de la purée. Non, mais c'est une façon, une autre façon de faire. C'est une autre façon de faire l'avocat. Vous découpez bien, non? Les autres sont autorisés à écraser. C'est de la purée. On oui. fait la purée au simple, au, avec le mitumba ou le bat, peu importe, j'amène ce manque, c'est trop bon. Bon, ça va, on sait maintenant où vous prendre, Pamela Fomel. On passe au second sujet. Le second sujet, on va du côté de Bamenda, on parle de la lutte contre la consommation de drogue. Une vingtaine de personnes ont été arrêtées par les agents du commissariat central de Bamenda. C'était le 21 avril dernier, 27 suspects, parmi lesquels les femmes ont été interpellées dans un lieu appelé 7 portes. Les suspects auraient été impliqués dans le trafic de drogue, dû communément appelé la cocaïne, également le mari, la marijuana, ainsi que dans la possession d'objets volés. La répression fait suite à des directives émises lors d'une réunion de sécurité avec le délégué régional à la sécurité nationale. C'est une nécessité de lutter contre la consommation de drogue. Des jeunes sont de plus en plus impliqués dans cette activité. On est dans quelle région? À Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Ah, la région du Nord-Ouest. Nord-Ouest. Oh, mon Nord-Ouest natal, qu'est-ce que tu deviens? Finalement, on se retrouve avec des jeunes... Des jeunes filles, hein. Des jeunes filles. Des jeunes filles. Elles sont de plus en plus nombreuses dans le réseau, hein, Dominique Audrey, le trafic de drogue. Il y a 2 semaines, je regardais un documentaire à l'étranger. Et on est entré dans l'univers des vendeurs, des dealers, des consommateurs, d'acheteurs et tout. Et le monsieur fait savoir que dans leur mode de fonctionnement, il y a des... On les appelle quoi? Les éclaireurs. Oui, donc vous allez les voir disséminés comme ça dans la rue, vous dites que ce sont des personnes non nommées. Mais lorsqu'on remarque un agent des forces de l'ordre qui approche, lui, il doit donner le signal. La fille émet un cri. Wouhou, wouhou. Ça veut dire quoi? Les conditions pour connaissent. Savoir que il y a... Et là, c'est la police qui arrive. Okay. Ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que nous, on a besoin de ça ici? Aujourd'hui, c'est pas le propre de cette ville, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est comme du pain. Et c'est terrible parce que une image me revient à l'esprit. À la rédaction, pendant les fêtes de fin d'année, je faisais partie d'une équipe de nuit censée ratisser la ville de Douala. Et au cours d'un reportage avec Innocent Abega, on a suivi les gars de la brigade anticriminelle du GMI. Plusieurs perquisitions au quartier Makéa. On est entré dans un tourne-dos, un couloir que personne ne... A priori, même en journée, vous ne passez pas là-bas. Vous pensez quoi? Que c'est une petite poubelle qui est faite là-bas et tout, passez pas. Mais quand on a traversé les 2 mètres de longueur et à peu près 30 cm d'épaisseur du couloir, on a découvert une large allée. Et on a vu des junkies. Une jeune fille d'à peine 17 ans, avec une seringue dans le bras, enceinte. Pratiquement à terme parce qu'elle avait un gros ventre. Enceinte pratiquement à terme, couchée au sol, qui s'était faite violer par des dealers et qui était là. Et elle-même, c'est une junkie. Et c'est une image qui m'a extrêmement choqué au cours de ce reportage. C'est certainement l'une des images les plus choquantes que j'ai eu à voir depuis que je fais ce travail. Comment les jeunes filles en arrivent, Momon Bengal, à tomber dans un circuit qu'à une certaine époque, on voyait... réservé aux hommes, c'est vrai, ils avaient généralement des prostituées. Oui, c'est vrai que généralement ils avaient des prostituées, des femmes, des passeuses. Mais quand on en arrive à avoir des dealeuses, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, il y a une certaine littérature, j'allais dire, il y a des idées conçues autour des drogues. Il y en a qui vous disent que les drogues, notamment le banga, qu'on dit là souvent, fait pousser les cheveux. Il y en a qui vous disent que ça attire la chance. Il y en a qui vous disent que ça apporte la force. La mesure de la force. Donc, il y a toute une panoplie de philosophies. Des croyances. Des croyances qui sont développées autour de cela. Et on vous dira, voilà, si vous fumez, il faut invoquer. Give me power, give me power, give me tongue, give me power. Ils sont, c'est vrai, c'est pas vrai, non, c'est rien. Mais il y a une littérature qui est développée autour de ça.
Donc, ça vous donne une certaine force, une certaine vigueur. Voilà un peu un certain nombre de choses. Et la même littérature a dit, on vous interdit ça parce qu'en fait, il y en a même dans les médicaments. Il y en a même dans... Donc, les gens pensent donc, parce que Charles Lamet disait tout à l'heure, l'administration publique ne procède pas à des informations nécessaires pour recadrer le public par rapport relativement à pourtant, ça. Pourtant, on a une commission, un comité national permanent de lutte contre les drogues chez les jeunes. Mais qu'est-ce qu'il fait pour ne pas sensibiliser sur le l'autre terrain? Vecteur, il y a les relations que nous avons avec les autres, avec l'Occident. Lorsque vous regardez un film, un documentaire qui vous dit « Ah oui, à Paris, on a autorisé et qu'on vient se shooter aux États-Unis. Oh, voilà, on se dit, mais pourquoi pas chez nous? Donc, si on interdit chez nous, voilà, voilà. » Quand ça s'ajoute donc à un climat de pauvreté comme le nôtre, on commence à vous dire les gens d'un certain quartier, les quartiers difficiles, les ceci. Parce que là-bas, quand vous entendez Sarkozy parler de la racaille, de ceci, il parle de quoi? Il parle justement de ces jeunes qui, selon lui, ne sont pas dans des endroits huppés. Mais chez nous, vous trouvez aussi, même chez eux, les oui, bobards. Bah, oui. Maintenant, les enfants qui mangent bien et ils qui sont dans dedans. La drogue, parce qu'au Cameroun, il y en a eu. Hein. Les gens que nos bobos ici, dont les enfants sont au Canada, en Belgique, aux États-Unis, qui rentrent quelquefois menottés. Mmh. Et qu'on les conduit à la PJ, et bon, après négociation, on les envoie à la garnison militaire pour... le traitement des intoxications. À quel moment tout cela a basculé? Parce que nous, on se rappelle tout petit, on voyait nos parents toujours avec des petites boîtelettes là, c'était du tabac écrasé en parce coups, qui que se non, mettait dans tout ça, c'était, parce que c'était le c'était tabac pas aussi, parce que le tabac normal n'a plus ce sens. Nous, on a eu à allumer les pipes de nos grands-pères. Oui, les pipes, oui. Le peuple, il faut préparer, mettre. Bon, nous, on n'avait même pas vos allumettes là. On prend la braise. Mais maintenant, ça a été modernisé, ça s'est transformé en chicha. D'accord. La chicha, toujours existé. La chicha, c'est importé depuis l'Orient. C'est importé depuis l'Orient. Oui, c'est une culture orientale. Le contexte africain se contentait de. Nous, nous avons le tabac, puisque le tabac entrait même dans la dot. Oui. Ah, et, oui. Voilà, dans on même dans la dos. Ah, et oui. C'était réservé pour les papas. Les jeunes, c'était les cartouches et les cigarettes. Donc, il y avait une certaine éducation, une certaine orientation qui disait qu'à un certain âge, je n'ai pas droit à fumer. Bon, voilà. Disons, et puis, bien tout de suite. Mais quand disons, tout a été désorganisé, modernisé, on est sur les jeunes filles, dans le fait de rentrer dans la drogue, il y a une première forme. C'est quoi avec vos mains? Vous levez les mains quand nous, on entend. Il y a la déception. Vous voyez une femme, une fille qui a passé sa vie à avorter. Sa jeunesse à avorter. Lorsque la conscience commence à lui parler, elle veut tuer. Elle veut tout faire ça, Pamela Fomin. Elle cherche, c'est d'abord dans l'alcool qu'elle se verse. Et non, ça commence. On ne tombe pas directement dedans. Elle entre dans l'alcool, c'est de l'alcool. Quand vous voyez une fille qui se retrouve à un âge où elle a fait le tout, l'école n'a pas donné, elle a fait les commerces, ça n'a pas donné, les mariages, les vieux, on reste, ça n'a pas donné. Elle se retrouve avec deux. La pression, il y a une pression sociale. Elle se retrouve à se jeter dans cet univers. Vous avez des familles, des filles qui ont grandi dans un environnement où maman fume. J'avais souvent vu des mamans qui fument, qui ont traversé l'étape où les parents, où le père lui-même parfois se retourne le soir, il s'allume, elle voit ça comme un modèle. Et puis qu'elle se retourne dans un coin, on lui dit que tu peux faire ça, tu peux faire ça. Avant, c'était en Europe qu'on voyait les gens s'injecter, mais ici, là, c'est devenu les gens, vous voyez des gens, ils marchent avec, après ils vous disent je suis diabétique, je suis ceci, je suis cela. Alors que le gars tire, il envoie le nirvana, ce qu'ils appellent le nirvana, il se la plante dans le corps. Beaucoup de filles ont. Que vous voyez faire, c'est des filles qui ont loupé la vie. C'est des filles qui ont perdu tout espoir de la vie. C'est des déceptions aussi sentimentales où une fille a mis le cœur sur un gars. Une fille a mis le cœur sur un gars, mettre tous ses poumons, ses pieds, ses mains, ses doigts, son cœur. À la fin, ça se retrouve quasi kazakh. C'est des filles qui ont tenté d'aller en voyage.
Bozan, que c'est une aventure, fouillée, ça ne donne pas, elle se retrouve dans cette affaire. C'est des filles qui ont marché avec des gars, parce que pour beaucoup d'autres filles avec qui on discute sur cette affaire, parce que j'ai accompagné certaines équipes, oui. Les filles vous font comprendre que non, c'est le gars avec qui j'étais. Pendant qu'on buvait un peu pour s'envoyer en l'air, pour atteindre un certain niveau, on a commencé à faire bouillir le ndjap. On faisait d'abord bouillir le ndjap, comme le café on prenait. Après, ça ne nous faisait plus rien. On a voulu aller à un niveau cran pour pouvoir se retrouver. Hein, pendant le riz sauté, voilà. Le riz sauté, on utilise le riz sauté pour maîtriser. Et on essaie d'aller. Donc, derrière tout ça, il y a une déception. Et derrière toutes ces déceptions, il y a les parents. L'enfant commence doucement à sortir une carte. Toi, le parent, tu ne frappes pas du poing sur la table. Comment vous expliquez que les parents se retrouvent dans une maison, le père assis au canapé, la mère assise, le père assis au canapé, la mère assise sur la chaise, tous sont sur WhatsApp. Expliquez-moi, tout le monde est sur WhatsApp, sur Facebook. Les gens ne causent plus. Les gens ne discutent plus. Lors, le père rentre, il est seulement sur son téléphone en train de chercher les derniers buzz, les derniers. La mère de son côté cherche les coachs de vie. Qu'est-ce qu'on a encore dit? Qu'est-ce que tel a encore dit? Quel est le Japap de la dernière? Les enfants sont de vadrouiller, ils ne se sont pas lavés, ils n'ont rien fait. Comment quelqu'un peut rester rivé toute une journée sur son téléphone en train de moi? Même le travail en entreprise. Ouais. Même en entreprise, vous voyez quelqu'un qui te dit que je suis au travail. On a rompu le lien social. Et je crois qu'il est temps que les familles décident de récupérer doucement et progressivement les enfants. Il y a plusieurs méthodes. D'accord. Cette fille que vous avez racontée, j'avais vu ce reportage, vraiment c'était de plus triste. C'était incroyable. Et ça passe partout. Commencez par fermer les snap-bars. Je suis président. Ah, oui, monsieur le président. Ça y est, ça a recommencé. Monsieur le président, oui. Oui. Inscrivez-vous d'abord sur une liste électorale et vous pensez, je suis en train de préparer mes affiches. Je ferme tous les snaps. Tous les snap bars. Aucun jeune dehors. J'ai dit aucun jeune dehors après 17h30. Aucun jeune dehors après 17h30. On vous attrape à armée forcée. Il n'y aura plus de recrutement. Il n'y aura plus de recrutement. J'ai annulé les recrutements dans l'armée et la police. J'ai dit on vous attrape. Tes diplômes vont venir te retrouver là-bas. Ok. J'ai dit le diplôme, je vais venir te retrouver là-bas, où tu seras sans galon. On va là. Mais je vous assure, oui, je vous assure, tous les projets, la main d'œuvre, ce sera eux. On vous attrape en train de faire, on vous ramasse, on vous envoie à Poly. Là, on fait la lumine, là, on fait l'uranium, on vous jette là-bas, vous allez aller travailler. Parce qu'il faut vraiment qu'on ait. On ne peut pas former un Cameroun avec des soulards. Des drogués, on ne peut pas former un pays avec. Et regardez bien le système. Regardez bien le système. Et ça, j'accuse le gouvernement. Regardez le système. Oui, monsieur le président. Vous avez la drogue qui est rentrée. Les jeunes sont zoomés. Tous les jeunes sont zoomés. Quand vous regardez un jeune comme ça, vous voyez que la rétine même a pris un certain niveau. Zoomé. Quand ce n'est pas le zoom, c'est les cuvettes. Désormais, le snap où quand vous entrez, on vous dit que monsieur, pour t'asseoir, là, il faut minimum 4 cuvettes. Quand tu ne peux pas payer 4 cuvettes, tu ne t'assois pas là-bas. Vous voyez un jeune qui sort 40 000 francs pour avoir droit à 4 cuvettes. Dans quel Cameroun? Ça, vous avez le deuxième, le sport. Non, ne vous diriez pas. La fin du sport. Monsieur le président. Vous les voyez débattre à longueur. J'ai dissous la FECAFO. J'ai dit, je suis président. Le même jour, j'ai dissous la FECAFO. Et les autres sports. Terminé. Arrêtons, on n'a pas besoin de ça. Ça n'a développé aucun pays. On dissout ces bêtises. Les églises, tous les pasteurs seront fouettés. Pourquoi on va les envoyer dans les pays voisins. On va les fouetter. Et puis on va les fouetter. Monsieur tout le fouetter. Président, on arrête. On n'envoie pas les barmafas. On arrête. La religion a fait tout le mal. Pourquoi je ne fais pas la religion? On fait tout le mal. On les dissout la fête. On dissout la fête. Pourquoi parce que le football est devenu une drogue. Ouais. Il faut laisser les pasteurs. Mais regardez les gars qui supportent le PSG et le Barça. Regardez ce qui se font ces jours-ci. Regardez ce qui se font. Regardez ce qui ou c'est le Real. Moi je le suis. Regardez comment ils se font. Le matin ils se voient, tu vois, ils vont sur internet, d'autres font comme ça. Et là, tu vois, vous demandez mais ça c'est quelle drogue. Et le dernier, les jeux de hasard. Tous ceux qui sont derrière, membres du gouvernement, ont vidé tous leurs comptes pour donner aux pauvres. On est devenu la République du diable. Mais je vous assure, c'est grave. Voilà les cinq premières choses, les cinq premières actions. Oui, merci. Et pour me réconcilier avec les femmes, tout mon gouvernement sera des femmes. Merci, ça, monsieur le président. On est content. Je vais vous dire. Vous mettez les femmes dans les églises. Vous fermez les églises oui. Et vous mettez les femmes dans votre gouvernement. Et celui qui loue un hangar, le Cameroun est le seul pays où tous les hangars, comme vous pouvez transformer en industrie, permettent aux entrepreneurs, sont gérés par les églises. Vous expliquez ça comment?
Mais les salles de cinéma, l'entendent, ça ramène vers les églises. Oh. Voilà un des pasteurs qu'on a dû le mettre sur Facebook qui vit, qui a passé à violer des fidèles pendant plus de 13, 14, 17 ans, mère et fille, mère et fille. C'est après 14 ans qu'on venait sur la toile, balancer ça. Non, on doit fermer littéralement ça. Et on prêtera serment désormais sur les crânes. On va à l'ouest, on prend, on va au centre, on sort, on va au littoral. Oh là là, on ça va pas, ça va on pas sort, à la on va à l'extrême nord, on prend, c'est ça quoi. Ceux qui ont prêté serment sur ça, on rassemble toutes les énergies des quatre aires culturelles du Cameroun. Tu prêtes serment là. Et tu ne connais même pas qui a composé. Tu prêtes serment là. Le jour que tu t'amuses. Aujourd'hui, on discute tout le monde avec moi, mais je vais être bientôt docteur honorisco. Honorisco, ça y est, docteur ingénieur, docteur, c'est ce qu'il faut tout faire. La drogue, on comprend donc que la drogue s'est progressivement démocratisée. Les parents ont rompu le lien social avec leurs enfants. On est là. Ado, je t'ai check une VN sur WhatsApp. Ok, je consulte. Je t'ai follow en inbox. Tu peux aller. Il y a d'autres qui passent ici là avec le. Comment vous appelez ça? Le gilet orange. Oui. Gilet orange, le livreur. Le matin, c'est le gilet orange. Le soir, c'est le gilet vert fluo. Et je dis à tous les parents qui regardent ce programme, si vous avez votre enfant qui a le téléphone, prenez le téléphone de l'enfant et cherchez l'application calculateur. Lorsque vous prenez l'application calculateur, n'ayez pas. Ah, Dominique Audrey, Pamela, vous mettez la même chose à part. On doit dire, on est à la l'application calculateur. Allez fouiller l'application calculateur. Ça va apparaître. Je vous dis, chers parents, l'application va apparaître. Si l'application apparaît, vous allez composer et tout, vous n'allez pas. Vous faites 11, 22, 33, 44. C'est le mot de passe générique. Ça déverrouille l'application calculateur. Vous allez voir de vos propres yeux. Vous avez gagné quoi? J'ai gâté. Vous avez gagné quoi? J'ai gâté. Demandez aux parents. 11, 22, 33, 44. 11, 22. 33, 44. 1, 2, 3, 4. C'est le mot de passe générique. Vous allez découvrir et qui font les passes. Je ne sais pas, on le sait dans ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, à travers les WhatsApp, ça cache tout. Tout. J'ai dit que ça cache tout. Hein. En fait. Vous prenez le téléphone de l'enfant, vous fouillez, vous ne voyez pas WhatsApp. Ou du père. Vous ne voyez pas. Ouais, ou du père. Vous prenez le téléphone, vous ne voyez pas WhatsApp. C'est là, mais vous êtes un homme, vous faites comment pour avoir calculateur? C'est comme si vous avez venu sur le plateau. Non, non, non. Tout change et nous devons vivre avec notre temps. J'ai dit que vous prenez le téléphone de l'enfant. Vous voyez, il n'a pas WhatsApp. Il n'a dit que papa, même Facebook, je n'ai pas. Après, tu prends un message, tu un WhatsApp qui apparaît. Tu cherches un WhatsApp et là-bas. Oh, c'est dans le calculateur. Je vous ai donné le code 11 22 33 44. Merci, Charles Amel Badjou. D'accord, Pamela Fomen, c'était notre dernier sujet de la revue des réseaux sociaux. D'accord. Merci. Comme vous l'avez dit, il y a des gens qui vont chercher le calculateur de calculateur. Sauf qu'il y a la vraie calculatrice. D'accord. On va faire un détour par la régie. Voilà, il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués ici. Hein. Les internautes, les téléspectateurs, eux aussi ont donné leurs avis sur les différents sujets. Mais on va revenir sur cela après. Le temps pour nous de faire un détour par la régie, c'est la séquence consacrée à l'interpellation. Ce qui m'énerve dans ce pays, c'est d'abord la première chose, c'est qu'il n'y a pas la sécurité dans ce pays. Il y a manque de la sécurité. Et la deuxième chose, c'est les routes. Parce que s'il y a des routes, il n'y a pas de problème. Il y a les gens dans les fins fonds. Je peux décider, je peux esquiver. Même comme dans le village de Saint-Malima, chez le président. Il y a les villages comme Bembis, qui a, quand il y a la pluie, il n'y a pas de voiture qui part là-bas. Les gens souffrent de la famine. En ville, parce qu'il n'y a pas de routes qui partent dans les villages, comme Bembis de certains villages. Donc c'est ça qui m'énerve, parce que quand il y a des routes dans un pays, même si c'est comment les gens sont tranquilles, ne dérange pas. Mais si on voit qu'aujourd'hui, le Cameroun commence à bavarder beaucoup, c'est parce qu'il n'y a pas de routes. Parce qu'ils avaient des routes, ils n'avaient pas de problème. Parce que quand il n'y a pas de routes, tu découvres que dans la ville, les gens n'ont pas de quoi manger. Et il y a les nourritures des gens
Les nourritures en brousse qui sont en train de pourrir, les maniocs, les macabos, tout, ça pourrait en brousse. Mais tant qu'il y avait la route, tout ça devait monter en ville et rien devait manger. Donc ce sont des choses qui enervent nous les Camerounais. Parce que s'il y avait des routes, nous, on n'a pas de problème. On va vivre la vie comme c'est. Et tout est devenu cher. Et à une autre chose, quand une voiture réussit à entrer là-bas, tout devient cher. La voiture devient chère. Et quand quelqu'un réussit à mener en ville, tout devient cher. Et quand on dit que c'est cher, c'est parce qu'il calcule la souffrance qu'il a pris de la ville pour arriver à des villages, pour arriver en ville. Et monter tout le prix. Ça énerve vraiment, ça énerve. C'est énervant. Énervant. Oui, énerve. La razzia, hein. Mais bien sûr. Il a fait la razzia. Vous êtes déjà parti à Tongo, village Tongo? Non, pas encore. Vous êtes arrivé au village Fanda. C'est où? Fanda. Non, vous devez connaître le Cameroun. Fanda. Il ne peut pas connaître tout le Cameroun. Ah, ah. Pas tout connaître. Dans le nord Macombe. Le nord Macombe. Vous êtes arrivé à Moya? Ah oui, ça je connais. Bien. Alors, sortir de là, c'est un seul véhicule qui descend, avec un véhicule pick-up qui descend avec une tercelle. Si vous loupez, vous attendez. Vous attendez le lendemain. Maintenant, les voitures qui vont là-bas ont les lamelles. Ce sont les véhicules qui vont avec les amortisseurs. Mm-hmm. Forme mm-hmm. de lamelles. Les lames, pardon. Mm-hmm. Triplé, quadruplé. Ouais, un peu ça, comme chez voilà. Les camions. Alors, pour pouvoir descendre, quand vous descendez au niveau de Basundian, 52 tournants, quand vous prenez la 52 tournants, vous vous amusez à ces niveaux, vous vous retrouvez de l'autre côté. Quand vous réussissez à passer sans crevaison, vous réussissez à traverser les ponts, vous réussissez à contourner la boue, les bourbiers et tout et comme ça. Monsieur, vous êtes sûr qu'en prenant la marchandise, un, vous n'êtes pas sûr que votre véhicule va monter, vous êtes obligé de taxer. Deux, lorsque vous réussissez à arriver, le commerçant va vous dire que j'ai payé surplus pour pouvoir arriver ici à Bazou ou arriver à Baganté, vous devez payer un supplémentaire. Il y a plein d'autres villages comme ça. Oui, oui, quand vous allez dans le Mbam, pour traverser, aller du côté de Ngoro. Quand vous commencez à traverser Ndek pour arriver Niem, voilà. Niem, Foufouin, Matsari, voilà. C'est des petits villages. Quand vous allez du côté de Kiki, oui. De Kiki, la route. Oh là là là. C'est le Tchékos, dans la zone de Tchékos, Babas. Quand vous allez dans cette zone pour pouvoir avoir, monsieur Ndek, un peu de produit, réussir à sortir de là, c'est un problème. Il n'y a pas de route, mais hélas, on devait avoir un programme, un véritable programme, mais. Quand je parcours les grands projets routiers, vous avez des axes qui datent depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Qui n'ont jamais été. On a commencé, ça, on n'a jamais abandonné. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une enquête en ce moment. Ces grands projets routiers abandonnés, qui ont démarré, mais qui ont été abandonnés. Vous vous dites, mais. Je vais poser 13 000 milliards. Ça va où? Je vais poser une question à Pamela Foumen. Vous connaissez ce qu'on appelle la nana du singe? Ah oui. La nana du singe. Vous connaissez la couleur. La nana du singe. C'est une grosse boule verte, jaune. Et on envoie, c'est le nom, oui, vous envoyez les droits pour pouvoir vous tirer. Ça. C'est, ça sort un. Oui. On a appelé des choses. C'est magnifiquement bon, c'est sublime. Vous avez l'impression, vous avez déjà goûté la barbe à papa. On a appelé des choses. La barbe à papa, dans les fêtes foraines, les foires et tout. C'est la même sensation. Envoyez-les en forêt. C'est dans la forêt qu'on trouve ça. Ça a le goût de la barbe à papa. Ça a le goût de la barbe à papa. Ça fond dans la bouche. C'est sucré. Et le fruit, et le noyau à l'intérieur, ça a le goût de la noix de coco. Seulement, vous précisez à Pamela Foumen que pour l'avoir, il faut avoir des doigts forts et résister aux fruits. Ouais, c'est clair. Les arbres de ces l'arbre de ça, c'est brisé par les. Et pas n'importe quelle fourmi. Les fourmis rouges à grosse tête. Et on utilise généralement ces fourmis pour soigner les plaies, pour refermer les plaies. On met leur tête, quand vous êtes ouvert, ça pince. Ouais. On enlève le corps et la tête reste. Trois, deux jours plus tard, la blessure est complètement refermée. Dominique, et pour les enfants qui font pipi au lit. Oui. Pour les enfants qui font pipi au lit, on les colle, ils savent s'agripper sur le caleçon, on porte le caleçon à l'enfant. Hey, yeah, yeah. C'était la punition pour ceux qui faisaient pipi au lit jusqu'à un certain âge. Attendez, Dominique Audrey. Ça veut dire que les parents qui disent qu'on a déjà mis les fourmis, là, ce ne sont pas les vraies fourmis en fait. Ah non, c'est des monstres. Ce n'est pas des fourmis, c'est des monstres. C'est des monstres. Et généralement, ces fourmis-là suivent le sillage de la mue des serpents. Voilà. Quand vous voyez les fourmis-là suivre en ligne à l'entrée de votre maison, c'est que durant la nuit, il y a un serpent qui est passé par là. C'est des choses que malheureusement, les gens qui vivent à ville ne peuvent pas savoir. Ça va.
Vous aurez commencé ça. L'enfant du village. L'enfant, le bon villageois. Non, non, c'est bien ça. D'accord. Vivre au village. Vous devriez aller au village. Et malheureusement, tous nos produits qu'on a là-bas, comme ce monsieur nous le disait, c'est bon, c'est... mais ça ne sort pas. Ça ne sort pas à cause des routes. C'est quoi le projet de désenclavement des bassins agricoles alors, si on est incapable de sortir une nanana du, de la nana du singe de nos forêts pour venir retrouver ça au marché central, au marché du rail, au marché de la gare? C'est... J'ai jamais vu ça au marché. Non, vous ne pouvez pas voir. Je vais vous chercher ça. Je vais vous chercher ça. Je vais sucer ça avec plaisir. Ah, ouais. C'est trop bon. Vous allez rien aller. Ne se perd à l'intérieur, hein, je vous préviens. Rien ne se perd. C'est trop bon ce truc. Merci mon DP. Non, non. Ouais, donc, et c'est le DP qui a parlé de ça. C'est le DP qui a parlé. Il va regarder ça. Ah, il va... Et si il ne parlait pas? Tu ne l'as même pas encore vu. Tu discutes déjà. Attends, mais qui ramène avant de commencer à discuter? C'est une grosse tige. Très grosse tige. Non, Edouard, on me dit merci à moi. Merci sans goûter. Merci à moi d'abord pour la découverte. Pour rester à Douala, moins de choses. Pour aller ici à Émilie Sake. Moto. Pour partir ici à Deux Églises. Moto. Le soleil. D'accord. Merci à tous. On va faire. On va mettre le cap. Vous voyez, moi, Marie, il n'est pas à pied. Il ne se plaint pas. On va mettre le cap sur le plateau. Mais Charles Amel, c'est Magellan. On va mettre le cap du côté du plateau B où nous attend déjà Constilamine parce que c'est l'instant de la vente, c'est l'instant des affaires et des bonnes affaires avec le concept Salaka. Bonjour Consti, bienvenue. Alors bonjour Cédric, tu l'as si bien dit, c'est l'instant de faire des achats, c'est l'instant de vendre avec le concept Salaka dans les magasins 1001 tapis. Oui, parlant bien sûr du concept Salaka, je vais répondre à la question d'un téléspectateur qui m'a demandé est-ce que c'est possible que le concept Salaka vende les autres produits en dehors des produits du magasin 1001 tapis. Oui, j'ai dit bien, est-ce que c'est possible pour le concept Salaka de vendre les autres produits, que ce soit des autres entreprises, des particuliers, des opérateurs économiques, des hommes d'affaires? Alors la réponse à cette question, c'est oui. Le concept Salaka est une plateforme de vente des produits des entreprises, des particuliers, des opérateurs économiques et même des entreprises étrangères. Donc ceux qui ont des produits de très bonne qualité. Il faut vous rassurer que ce que vous avez comme produit est vraiment des produits de bonne qualité. C'est des produits fiables, c'est des produits crédibles et que vous allez accepter de vendre moins cher. Parce que quand on vend moins cher, on vend plus et on gagne beaucoup. C'est ça le concept Salaka. Donc, chers auditeurs, c'était donc là pour répondre à la question de ce téléspectateur qui a demandé est-ce que nous, on peut vendre les produits des autres entreprises. Donc, la réponse, c'est oui. Et comment contacter directement le promoteur du concept Salaka? Vous l'appellerez au 695-06-60-50. Je dis bien 695-06-60-50 par appel ou par SMS uniquement. Donc, avec ce numéro de téléphone, vous avez toutes les informations liées au concept Salaka, qui est ce concept qui a pour mission d'accompagner les entreprises camerounaises et étrangères. Parmi les produits que nous vendons au concept Salaka, nous avons ce produit, notamment cet appareil. Chers téléspectateurs, regardez-le très bien. Voilà son carton. Pour ceux qui ont leur téléphone portable, allez, que ce soit sur Facebook, sur le net, vous allez comprendre dans quelle plateforme est vendu cet appareil. Je préfère ne pas donner le nom de cette plateforme, mais c'est une plateforme mondialement reconnue. Cette plateforme vend cet appareil de massage facial depuis plusieurs années. Et le concept Salaka, ça fait pratiquement moins d'un mois que nous vendons cet appareil de massage facial. Et je vous le rappelle, il se vend comme les bouts de pain. Parce que les gens ont compris qu'ils ont besoin d'un visage rayonnant, d'un visage lisse, d'un visage sans boutons après rasage, d'un visage sans comédon, raison pour laquelle ces gens viennent de temps en temps chez nous. Cet appareil vient dans un carton et dans le carton, il y a cette pile. Voilà la pile qui vous permet d'alimenter votre appareil de massage. Nous allons l'ouvrir comme ça. Là, on l'ouvre là et nous allons mettre la pile. On va mettre la pile comme ça. Voilà donc la pile et nous allons refermer. Ça a été fermé. Et là, nous allons l'allumer. Voilà. Là, il est en train de vibrer. Il est en train de vibrer et rien que voilà, on l'applique. Ceci, c'est pour le front. Vous le mettez là. Ça permet
de ne plus avoir les rides, ça permet de retirer les rides au fur et à mesure. Et en même temps, ça masse votre visage. Ceux qui ont des problèmes de comédons, vous l'appliquerez de ce côté-là, vous l'appliquerez régulièrement. Il va retirer les comédons à travers sa vibration et à travers un système de massage automatique. Oui, cet appareil de massage, regardez-le très bien. Maintenant, les boutons après rasage, c'est par là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cet appareil de massage, encore appelé en anglais, en français, appareil faut enlever comédon. Mais de quoi l'homme sait, appareil faut enlever comédon, appareil faut enlever ride, je le vends à 9000. Et si vous le commandez à présent, vous êtes livré gratuitement. Je dis bien cet appareil de massage facial qui est utilisé par plus d'une personne. Je dis bien, je vous le vends à 9000 francs et c'est vendu avec garantie. Ça vient avec sa pile d'origine pour les comédons. Ça enlève les comédons. Ça empêche d'avoir les rides. Et ceux qui ont les rides là, ça retire les rides. Les boutons après radon, chers téléspectateurs, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, chacun devrait l'avoir. Je le vends à 9000 francs. N'appuyez plus le nez comme ça là. Non, c'est terminé. Voici l'appareil révolutionnaire. Le modernisme passe également par vous. Je le vends à 9000 francs. Dans cet appareil, you get comédon, you get reader, you get bouton. Comme for concept Salaka, en tech, il y a appareil. C'est 9000 francs seulement. Le second produit du concept Salaka, c'est le petit Kirikou. Ah oui, la pommade qui permet de traiter les angles incarnés. La pommade qui permet d'empêcher d'avoir les douleurs aux orteils. Cette pommade, vous l'appliquerez plusieurs fois par jour, que ce soit pour le bébé, les adolescents, les enfants. C'est une pommade qui permet de traiter les ongles incarnés. N'arrachez plus vos ongles, s'il vous plaît. Je la vends à 8500 francs, cette pommade pour traiter les ongles incarnés. Merci beaucoup. On revient sur ce plateau pour la lecture des messages des internautes et des téléspectateurs avec vous, Pamela Foumon. Nadie Christelle Bilan, la sœur qui a enterré la mère, la seule connaît ce qu'elle voulait cacher en enterrant vite, vite. La sœur là est trop actrice. C'est elle qui va chez le marabout. C'est elle qui vient avec les accusations. C'est toujours elle qui veut enterrer seule. Vraiment, qu'elle dise ce qu'elle connaît dans cette histoire. Alors, pour moi, les marabouts ne sont pas comme certains pasteurs des églises. Si on doit suspendre les marabouts, qu'on suspende aussi ces pasteurs. Parce que parfois, les deux mentent. Ça, ce n'est pas dans mon projet. Donc, on laisse les marabouts. Oui, oui. Okay. Vraiment, il faut laisser d'aller visiter les marabouts. Si les marabouts meurent, si oui, pourquoi? Ou alors... alors qu'ils ont le pouvoir de guérison, vraiment les femmes, soyez un peu réalistes dans votre raisonnement. Même les pasteurs, Jésus n'est pas mort. En même temps, on n'a jamais vu un médecin se soigner lui-même. Ben, les médecins ne meurent pas alors. Se soigne lui-même. Le raisonnement des personnes dont le cerveau a été encore vidé par les blancs. Si vous demandez à quelqu'un de vous donner votre le coq, le nom du propriétaire du coq qui a chanté trois fois. Avant que Pierre ne réunisse Jésus, vous pouvez donner le nom de ce corps-là, le propriétaire de ce corps. Les gens disent des choses, ils disent des choses. On cherche toujours à mettre la logique, la science dans les sciences. Comment se fait-il qu'on réussit à faire? Comment? Ben, c'est l'esprit critique, certes, mais il faut faire attention. Aristide Koulak, ça dépend de ce que les esprits de ce marabout lui demande. Et puis, ils doivent être en contact avec la terre. Je ne suis pas en train de défendre les marabouts, mais ils sont pour une bonne partie des frappeurs. Mon problème, c'est la femme qui pose le problème ce matin. Merci à vous pour le sujet des avocats. Je vous avoue ce matin que moi également, j'ai vu la vidéo sur la toile. Et j'ai vu des blogueurs partager en disant que c'était du formol. Mais aujourd'hui, nous avons la vraie version. Merci à vous. C'est Jennifer qui envoie le message. Concernant l'histoire de ce matin, je crois que toutes les questions doivent être posées à la fille qui a voulu enterrer sa mère. Sur quelle base
Elle se lève pour vouloir enterrer sa mère. Est-ce qu'elle est mariée? Interrogation. L'histoire ne l'a pas révélée ce matin. Le marabout lui a demandé d'enterrer rapidement. Auquel cas, il y aura d'autres morts tragiques. Oui, ça veut dire qui suivront donc la sienne et celle de sa sœur. Quand on a ce genre de cas, celui qui a vu doit se déplacer pour venir procéder au rituel de préparation du corps. Non, de préparation du corps. Je vais dire aux gens, faites très attention. Dans certaines cultures, quand quelqu'un décède, on enterre le mort avec les haches, les lames, les couteaux, les machettes, en disant va venger. Vous avez des morts qui sortent, ils tuent tous, jusqu'aux innocents. Vous avez ça sur votre conscience. Parfois, on vous dit que vous avez versé le sang, vous dites qui, moi, moi j'ai fait ceci. Alors que ce que vous avez donné à votre mort trépassée, qui a été touché, qui a été tué, assassiné mystiquement, quand vous lui donnez l'arme d'aller, il va et décime littéralement si cela ne travaille pas. D'accord. Donc il faut dire qu'il y a beaucoup de choses que les gens pratiquent sans connaître les règles. Celui qui a vu, il dit qu'il faut vite prendre. On ne peut pas enterrer un corps sans gâter. Bien sûr. Celui qui a vu, en disant qu'il va vite enterrer, forcément doit se déplacer et il doit se déplacer devant certains. D'accord. Merci, merci Charles Amen Bachou. On prend un dernier message. J'ai l'impression que ici au Cameroun, les jeunes consomment de plus en plus de la drogue vraiment et voient le gouvernement ne rien faire. Pour moi, ça m'inquiète un peu. J'imagine pas les générations qui viendront après nous. On est aussi inquiet pour les générations prochaines parce que de plus en plus, les jeunes, plus jeunes même, tout petits, sont exposés à ce type d'agissement. Et du coup, quelqu'un dit un jour, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Donc, si on a reçu de la drogue, on l'aide de la drogue. Bien, on est arrivé à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Le PAC, le programme le plus électrisant du paysage audiovisuel camerounais, c'est terminé. On vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. En attendant, restez fidèles au programme qui se poursuit sur Equinox Télévision.